Merci. Mesdames et messieurs de la presse, je vous salue. L'heure est grave, certes, mais pas désespérée. Je commence d'abord par exprimer toute ma compassion et ma solidarité au peuple de Goma. Ces compatriotes de l'Est qui n'ont pas cessé d'être victimes de beaucoup d'exactions, parfois des groupes armés et maintenant même de la nature elle-même. Je tiens à dire ici que la situation est certes grave, mais elle est contrôlée. Comme vous le savez, je me trouvais à l'étranger lorsque cette nouvelle du drame est arrivée, de l'éruption est arrivée. Et tout de suite, j'ai interrompu mon séjour pour rentrer sur place. Avant cela, évidemment, j'avais pris langue avec le chef du gouvernement et ensemble, nous avions décidé d'envoyer une équipe du gouvernement sur place. Et il y a eu 7 ministres qui sont partis immédiatement pour faire l'état des lieux de la situation. Et ils avaient déjà sur eux les moyens, les premiers moyens qu'il fallait déployer pour faire face à l'urgence. Et depuis lors, ils sont revenus. Nous avons eu une première rencontre hier au Conseil des ministres qui s'est longtemps penché sur la question. Et aujourd'hui, j'ai voulu les rencontrer pour qu'ensemble, nous voyions quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour faire face à la situation. Et donc, je voudrais, avant de passer à l'explication de ces mesures, attirer l'attention quand même des uns et des autres que sur le fait que l'heure n'est pas la manipulation, comme on le voit dans les réseaux sociaux, ou au règlement de compte en utilisant des mensonges, de la manipulation politicienne dans le but de faire passer le gouvernement comme n'ayant pas le contrôle de la situation. Ce que nous avons eu comme réunion aujourd'hui et hier même en Conseil des ministres a démontré que nous avons le contrôle de la situation. Et donc, qu'est-ce qui se dégage après ça? Bien, tout simplement qu'il y a d'abord des déplacés, nous constatons, suite à cette éruption. Il faut expliquer que ces déplacés sont partis parce qu'il y a eu une situation inédite. D'abord, l'éruption elle-même n'a été prévue par aucun observatoire au monde. C'est une situation inédite.